tous et bienvenue sur Famille Nature. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser très facilement un petit sac à amener en forêt pour glisser les petits trésors ramassés dans la nature. Alors, comme matériel, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de un ou deux morceaux de tissu à découper, pas d'une machine à coudre, mais d'une agrafeuse, et pour finir, d'un peu de ficelle. C'est parti! Alors, pour commencer, je vous propose de prendre une feuille format A4 pour se faire un gabarit. Moi, je vais réaliser un sac vraiment petit format, donc je vais plier la feuille A4 en deux. C'est elle qui va servir de gabarit. Je la place sur mon morceau de tissu et je vais découper autour. Alors, je peux laisser dépasser, mettons, un centimètre et demi autour. Donc, on va faire ça à main levée. Parce qu'on ne fait pas de la haute couture aujourd'hui. Voilà, une fois qu'on a son premier carré de tissu, on va le superposer sur le deuxième morceau de tissu. Voilà, et cette fois on va découper exactement en suivant le contour du premier morceau de tissu. Voilà, alors là encore je le fais sans épingle parce que le but c'est que cette activité puisse être réalisée par les enfants. Donc on limite le matériel au maximum, pour les enfants les plus jeunes évidemment. Voilà, j'ai mes deux morceaux de tissu. Alors, donc je les laisse superposer et maintenant, plutôt que de les coudre, je vais les agrafer l'un sur l'autre. J'espace les agrafes d'environ 1 cm, 1,5 cm. Ensuite, je fais pareil sur un deuxième côté, un côté long, mais pas jusqu'en haut. Voilà, donc comme évidemment je n'avais plus d'agrafes pour ma grosse agrafeuse, je continue avec une petite agrafeuse. Mais ça marche aussi très bien, même mieux. Voilà, je m'arrête ici, comme ça, ici je pourrais faire le rabat dans lequel tout à l'heure nous allons placer la petite ficelle. Je termine avec le troisième côté, jusqu'ici à peu près. Voilà, alors maintenant on va placer la ficelle à cet endroit. Donc je déroule. Donc là je vais prendre à peu près 1 mètre de ficelle, de quoi pouvoir porter son petit sac en bandoulière si on le souhaite. Donc je place la ficelle, je rabats le tissu par-dessus, je ressors mon outil génial et je continue d'agrafer. Voilà, ensuite je retourne et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je place toujours ma ficelle, je rabats le tissu et j'ajuste pour que ce soit au même niveau que le tissu qui était en dessous et j'agrafe. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant je vais retourner tout mon tissu. Et vous allez voir, c'est génial. Voilà ma petite pochette, comme si elle avait été faite par un pro. Il ne me reste plus qu'à nouer la ficelle. Alors voilà, le petit sac est prêt. À vous après de l'ajuster comme vous le souhaitez. Par exemple, on peut tirer la ficelle de l'autre côté
pour en faire un sac qui aura plutôt cette allure. On peut éventuellement resserrer les deux bords pour fermer le sac. Et puis évidemment, on peut aussi le décorer, là encore, soit avec des petites agrafes, mais éventuellement avec de la colle, ou si vous êtes plus patient ou plus doué, avec du fil et une aiguille, ça marche très bien. Voilà, donc grâce à ce petit sac, vous pouvez ramasser les petits trésors dans la forêt, les ramener partout avec vous. Enfin, je dis avec vous, je pense que ce sera plutôt votre enfant qui s'amusera à tout ça. Et vous pouvez aussi organiser des petits jeux nature, comme par exemple la main dans le sac. Voilà, amusez-vous bien, à bientôt !